Quel est votre prénom ? Béatrice Parti. Bienvenue. Où est-ce que vous venez ? Nantine. Ah, c'est pour ça que vous avez bonne mine comme ça. Ça nous fait rêver à chaque fois. Ah, le chine. Il fait trop froid. Vous auriez quand même pu nous ramener un petit peu de soleil, là. C'est pas très généreux, hein. Ouais, mais regarde ce beau bleu, là. C'est le ciel. Les cieux du sud. Vous savez ce qui est bien ? C'est que c'est ancien. Oh, ici, ça, c'est plutôt cool. Il y avait une paire, hein. Non, alors j'en ai qu'une. Et il y avait rien ? Non, j'ai pas trouvé. Il y en a qu'un même dessus ou pas ? Bah, je pense. Ouais. A priori, oui, il paraît qu'il y avait une sorte de chapeau. Ouais, ouais. Bah, ouais. Ouais, couvert. C'est beau parce que c'est ancien. Il y a un petit problème, c'est qu'il manque quand même, effectivement, le couvercle. Mais c'est très joli, on peut s'en servir comme un rafraîchissoir, tu vois. Officiellement, quel est le nom de cette pièce ? Surtout ça, une coupe sur pied. Bon, on va quand même faire 80. Ouais, 100. 120. 150. 180. 200. 10. 20. 30. 45. 300. 20. 30. 40. 50. Ça monte. Bah parce qu'il est ancien, il est vachement beau, quoi. Ça, c'est vraiment très très beau, là. Donc, très beau. Le décor avec le papillon, c'est superbe. Mais même le haut, il est bon, hein, la dorure en haut est très fine. Hein. Par contre, le collectionneur, l'amateur de ces objets, il va être intéressé parce qu'il manque le couvercle. Hein, le après, le modèle n'est pas courant, donc... Ah bah, tu en auras pour un jeu. Non, tu n'en auras jamais, mais... Non, non, jamais. Si, on ne pourra pas. Un peu plus. J'ai dit 400. 450. 500 euros. 10. C'est plus pour moi. Non, non. Donc, madame. On a dit combien ? 580, 190 chez François. Ça me va. Honnêtement, ça fait plaisir qu'ils repartent dans de bonnes mains, c'est surtout ça. Alors, venez faire un. 600 euros. Ah, c'est moins sûr que ça parte entre des bonnes mains. 610. Et là, ça peut partir entre des bonnes mains. 620. À 650, il est à toi. Ok, 650 pour moi. Ouais, mais il a dit pour moi. C'est ça, Carole. Fais gaffe, Carole. Il a dit pour moi. Il a dit pour là-bas. Toi, c'est pour 700. Sans doute, j'achète à 660 avec grand plaisir. 660, c'est pour moi. 660 ? Oui. Merci beaucoup. Allez, François. Je vais passer la main. Allez, François. 660 pour toi. 660. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, madame. Très sympa. On aime bien avoir des beaux objets comme ça. Ah ouais. Finalement, c'est bien déroulé. C'est intéressant. On apprend plein de choses. Ils ont trouvé qu'elle était très belle, qu'elle était très ancienne. C'est dommage que j'ai pas eu la paire. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire des très belles ventes. Et très contente qu'il y ait un acquéreur. Encore un peu de patience avant de savoir qui de nos acheteurs s'offrira cette superbe sculpture en bois doré. Poursuivons l'émission avec un nouveau vendeur, Jean-Jacques. Cet avocat fiscaliste de 72 ans a pris la résolution de faire expertiser son bureau et son fauteuil en cuir qui tiennent trop de place dans son cabinet actuel. Quel sera le jugement de notre experte Delphine pour ce mobilier âgé de plusieurs décennies ? Verdict maintenant. Jean-Jacques, bonjour.